Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur les jeunes Pokémon Arceus. Alors c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, on s'est laissé exactement ici. Je n'ai pas pu jouer hors vidéo pour aller voir mes Pokémon. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est bonhomme, c'est niveau 55, 65. Ah c'est vrai, j'ai Pokémon qui est 65, alors c'est lui qui va me carry toute la journée, voyons donc. Mais bon, vous savez quoi, laissez-moi voir quel genre de Pokémon se retrouve juste là. On va envoyer Pokémon, let's go! C'est sûrement un Gravalanche. Ah, Bonzer. Ok, Grandeur qui est Archiomir en français, d'accord. On va aller le one-shot avec Spationif. Bon, ouais, pourquoi pas. Je sais que c'est pas une attaque qui est très efficace. Mais regardez-moi ça. Voyons donc, je croyais que je pouvais le one-shot quand même parce que j'ai niveau 65 là, mais bon. Alright, on va utiliser notre attaque. Rayon Gemme, j'ai pas vu à quoi ça ressemble. Let's go, on y va. Wow! Yo, je vous dis là, mon Palkia là, magnifique, voyons donc. Donc, ce que je vais faire, c'est me diriger à Destination qui est juste là. Alors, donnez-moi une seconde, il faut que je m'envole avec ceci! Ta-da! Attends, Unicorn. Oh, ok! Pendant un instant, j'avais perdu l'icône qui me dit où aller, voyons donc. Ok, relax. Ça doit être ici, hein? Ah oui, c'est exactement là, voyons donc. Oh, attendez, prends vos passes, est-ce que je l'attrape? Attends, oh, niveau 73. Yo, il va non, il va me détruire. Non, vous savez quoi? Yo, non, je vais pas le faire. Et je sais que ces bonhommes-là sont toujours là. Dans le sens que, si je veux attraper ce bonhomme en version baron, j'ai rien qu'à revenir au même endroit et je vais le retrouver. Voilà, je vais attraper des Pokémon ici et là, comme ça je peux level up vite fait, bien fait. Je veux juste explorer un peu les lieux. J'ai vu que je devais aller quelque part d'autre. J'ai vu l'endroit, ne vous en faites pas. Ah là 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 là. Attends. Ah, je peux plus l'attraper. Mais ici, ce sont des squelettes de Pokémon. Oh, oh pauvre. Oh, ça fait un petit peu mal au cœur. Mais bon, Palkia va aller chercher ça. Qu'est-ce qu'il va faire comme attaque? Ah, tu tises ta queue, il fallait le dire, voyons donc. Let's go! Nous sommes arrivés à Destination! Quelle atmosphère troublante! Je ressens une force extraordinaire, c'est comme si le monde avait été créé ici! Qu'est-ce que t'en penses, Enyan? Ce que j'en pense. Mais quelle question! Grâce à mes connaissances en minerais, mes techniques de recherche et les capacités de Colimucus. Who the hell is that? Il n'y a aucun doute. Vous pouvez me faire confiance. Minute, papillote! La Team Rocket version de Larama! Qui sait encore? On n'a pas le temps à perdre! Garance? Je t'avais pas revu depuis que t'as quitté le clan Diamant. Qu'est-ce que tu fais là? Ça te regarde pas. Ne faites pas d'histoire. Récupérez le trésor et donnez-le nous gentiment. Vous avez l'air surpris de nous voir. On vous a suivi, c'est tout. On cherche pas ce trésor parce qu'il est précieux. On a besoin que pour... Attends, on a besoin... on a besoin pour que le ciel reprenne sa couleur normale. On en a besoin, pardon. Visez un peu la chèvre, raide comme la justice! Je sais pourquoi j'ai quitté le clan Perle, pas étonnant, hein? On s'en fiche de ce qui vous a poussé à quitter vos clans. Vous toucherez pas un cheveu d'Eliane. Nous aussi, on est trois. Ça tombe bien, Polo, tu t'occupes de Constance. À quoi, tu me donnes la bosse? Pourquoi c'est moi qui dois m'occuper de la bosse, comme? Je suis Constance, je suis l'aîné. Le pain est mon symbole, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Prépare-toi pour un combat qui n'a lieu qu'une fois dans une vie! Let's go! Oh oh, qui tu vas envoyer? Constance la voleuse veut se battre. Oh, wait on! Je vais faire tomber la caverne au complet parce que là je vais faire une attaque et tout va chambouler. Bababababa, c'est la fin pour nous. Telluriforce! Telluriforce, pardon. J'ai dit Telluriforce. C'est Telluriforce. Totalement différent. Oh yo, ma boy, toi aussi t'es dead, man! À moins que je m'endorme. Aïe 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 aïe! Ok, attendez, je vais utiliser une attaque puissante, je n'ai pas le choix. One shot, là! Wouh!
je ne suis pas endormi. J'ai fait ça parce que le bonhomme n'a que deux Pokémon alors. Combat terminé. Bon, j'imagine que c'est toi le plus fort. Oh, beaucoup d'expérience pour tous mes Pokémon. Thank you very much. J'en aurais besoin pour le futur. Ça, c'est sûr à 100%. Carence, tu veux pas revenir au clan Diamant? Le temps change et nous aussi. Et on aurait bien besoin de tes talents. Tu rigoles, plutôt mourir que de vivre à la bande d'un clan. On vous laisse le trésor, mais vous avez intérêt à redonner une couleur normale au ciel. Fort comme tu es, je suis sûr que tu réussiras à affronter le monstre qui est apparu sur le mont Coronel Polo. Mais la prochaine fois qu'on se croisera, sache que tu ne t'en sortiras pas. Et à si bon compte. Voilà, j'ai du mal avec la lecture, vous le savez depuis le début. Ce sont des ninjas, vous avez vu ça? Franchement, elles avaient rien de mieux à faire. Allez, je vais soigner vos Pokémon. Nice! Hermance a toujours été comme ça. Elle se plaignait tout le temps, mais elle n'hésitait pas à aider ceux qui en avaient besoin. Au fond, si les sorts sont venus, c'est peut-être parce qu'elle se faisait du souci pour nous. Si c'est le cas, qu'elle le dise au lieu de jouer à les dire, voyons donc. Ah, c'est lui, ton Pokémon. Ça y est, j'ai récupéré le minerai, le fameux minerai d'origine. Ah, origine. Polo, je te le confie. Vous recevez un fragment de minerai origine. Un minerai abritant une force mystérieuse. Les légendes racontent qu'il renfermerait le pouvoir de Glacino lui-même. Ah, de Palkia? Finalement, c'était pas si dur. Et grâce à qui? Grâce à moi et à mon talent. Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour me féliciter? Bravo, Ignan, c'est un meilleur. T'es pas devenu le gardien d'Ashikatar par hasard. Faut qu'on aille tout de suite montrer ça au professeur. Il a beau être bizarre des fois, il est quand même toujours de bons conseils. Yes, let's go. Oh, vous savez quoi? Lorsque je me suis battu avec la Team Rocket version 2.0, ben plutôt 0.1, eh ben, ça me fait rappeler que j'ai regardé une vidéo juste hier où ce qu'on nous montrait les ancêtres, comme c'est-à-dire les personnages qui se retrouvent dans ce monde et... Oh, attendez une seconde. Comme les personnages de ce monde sont les ancêtres des personnages qu'on retrouve dans Pokémon Perle et Diamant. Alors, c'était quand même assez intéressant. J'ai joué à Perle scintillante et puis j'ai reconnu quelques bonhommes. Par exemple, Cormier, c'est l'ancêtre du professeur ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est véridique ce que j'ai vu comme vidéo, mais les ressemblances étaient quelque chose. Par exemple, pour la Team Rocket 0.1, eh ben, ce sont les ancêtres de certaines personnes qui font partie du groupe Galaxy ou quelque chose comme ça, mais bon, des méchants, ouais, c'est ça. Et puis, ah oui, c'est vrai, vous savez, le bonhomme là qui me donne des quêtes là dans le siège du groupe Galaxy, c'est l'ancêtre du méchant du clan, du jeu de Pokémon Pearl ou des trucs comme ça. Ah bon, whatever. J'ai oublié c'est quoi son nom, je l'ai rencontré dans une cave, mais j'ai oublié c'est quoi son nom. Polo, c'est bien la pierre à l'origine de l'univers, le minerai origine. Est-ce que vous ressentez comme moi sa puissance? C'est celle du commencement. The birth of the universe. The birth? Ah, c'est vrai. Prononciation française. The birth of the universe. Quelque chose comme ça. The birth quoi? Vous savez bien qu'on parle pas votre langue natale, professeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la naissance de l'univers. Bref, rentrons au village. Amazing! Beautiful! Ouais, comme je vous ai dit plusieurs fois, moi je connais bien les trois premières générations de Pokémon. À partir de la quatrième, moi je connais quasiment rien. Et puis voilà, ça c'est la quatrième génération aussi, vous voyez ce que je veux dire. Voilà professeur, c'est tout ce qui reste de la chaîne rouge. Merci! Même si la chaîne n'est plus entière, ces fragments devraient suffire. Voilà, c'est ton tour par ici, la pierre à l'origine de l'univers. Vous remettez le minerai d'origine. J'arrête pas de dire minerai d'origine, c'est plus simple à dire que minerai origine. Malgré les risques que ça comportait, le clan Diamant a ramassé des fragments de la chaîne et le clan Perle, lui, nous a renseigné sur l'existence de la pierre à l'origine de l'univers. Enfin, c'est au tour du groupe Galaxy de jouer son rôle en créant un réceptacle adéquat. Allez, Lucia, montre-nous que ta réputation d'artisan exceptionnelle est bien méritée. Regarde, Polo! Je ne me bats peut-être pas, mais je peux me rendre utile à ma façon. En revanche, cela va prendre un petit moment. Vous devriez en profiter pour discuter tranquillement tous ensemble. Ta
got you guys. Il aime ça faire des facepalms, ce gars-là. Mais pourquoi ça prend autant de temps? En fait, ton histoire du temps et qui est précieux, c'est juste pour cacher ton impatience, c'est ça? Mais pas du tout. C'est attendre que le temps passe régler les problèmes. Je le ferai avec plaisir. Mais c'est pas le cas, donc le temps est précieux. Polo! On a réussi! We did it! Je vous présente l'origine balle. What? Si on entend le message qui nous est parvenu, elle devrait nous permettre d'attraper celui qui est apparu au temple de Sino. Merci, merci. Oh! Wow! Une Pokéball singulière et unique qui permet d'attraper le Pokémon pris de frénésie au temple de Sino. Quand je pense qu'un objet aussi minuscule peut sauver tout ici, les Pokéballs sont vraiment fascinants. Puis c'est fou de se dire qu'en attrapant un Pokémon de cette manière, on peut tisser des liens avec lui. Ah, attendez un peu, la voix, j'entends à nouveau la voix, je deviens folle. Pourquoi t'as un sourire? Pourquoi? Oui, c'est ça, il dit qu'il va nous prêter sa force. J'allais déjà l'utiliser. Ça, c'est une bonne nouvelle, le grand Sinnoh du clan Perle Palkia va nous aider. Polo, vite, prends l'origine balle et rentre au temple de Sinnoh avec Palkia. Oh my god, j'espère que mon fiston va pas venir où ce que je suis en ce moment parce que je me retrouve au sous-sol, lié au rez-de-chaussée et il adore Palkia. Et quand je dis Palkia d'habitude, il part à courir me voir donc. J'ai dit ça bon une tonne de fois, voyons donc. Alors, donnez-moi une seconde, est-ce que j'ai du cash, man? À part 3 radis de plage, je sais pas ce quête que je vais faire. Yo, j'ai seulement 2200. Aïe aïe aïe, ok yo. Je vais rien prendre. Non, j'ai besoin de rien. Attendez. Oh! Oh oui! Elle là! Dans la vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure, elle c'est l'ancêtre de. Oh! J'ai oublié son nom encore, mais j'ai l'image de la personne dans ma tête, mais j'ai oublié son nom. C'est un personnage très important, super forte en plus. La bataille s'annonce terrible, oh mon couronné! Es-tu prêt à y aller? J'y vais! Je sais pas si la vidéo est véridique, mais bon. Je suis ravi de l'entendre! Maintenant écoute-moi bien, le temps et l'espace sont deux éléments indissociables. Dialga, le Pokémon qui apparaît au temple de Sinnoh, est celui qui dirige le temps. Si on le laisse ainsi, le temps de Hisui risque de se dérégler et d'entraîner la fin du monde. Oh nice! Mais Palkia, le Pokémon qui dirige l'espace t'accompagne. Tout espoir n'est donc pas perdu, car réunir le temps et l'espace permettra de rétablir l'équilibre nécessaire à la sauvegarde de notre monde! À présent, va au temple de Sinnoh, accomplis ta mission avec l'aide de Palkia. Mon fils n'est pas là, c'est bon. En tout cas, je dois dire que votre petit village m'est fort sympathique. Je pense que je vais aller jeter un coup d'œil au magasin de vêtements. Hé! Hey, vous croyez que c'est le moment? Bien sûr, je ne pourrais plus le faire si le monde vient à disparaître. Pas faux. Polo, dès que tu te sentiras prêt, partons pour le temple des Sinnoh. Ah oui! Pansia, selon la vidéo, est l'ancêtre de Cynthia. Je sais pas si c'est son nom en français ou en anglais, mais bon. Tu sors du village, fais attention à toi. Alright. Ici, on y va. Let's go. Je n'ai pas le temps de niaiser. On va au bivouac des Sims. Je suis quasiment sûr que c'est là qu'il faut aller. Ah ouais, c'est tellement difficile pour moi parce que moi, lorsque je regarde des Pokémon, d'habitude c'est en anglais et là je joue en français. C'est comme si un gars qui s'appelle Pepito, tout d'un coup il s'appelle Martino. C'est difficile, faites ça avec des centaines de Pokémon, vous allez voir, c'est difficile. Mais bon, en tout cas, on doit se diriger quelque part d'autre. Attendez une seconde. Voilà. Ok, ouais, on va faire ça comme ça. Mais ouais, comme... Mais parfois, il y a des Pokémon qui se ressemblent comme Luxio et Luxray, là, c'est le même nom en anglais ou en français. Oh, attendez une seconde. Je vais tenter de l'attraper. Mais comme lui, c'est quoi? Moi, en anglais, c'est Electabuzz et en français, c'est quoi? Électrique? Electabee? Je sais pas, attendez, je vais voir ça vite fait, bien fait, juste pour plaisir. Electek! Voilà, Electabuzz, Electek, ça se ressemble alors, je peux faire une association entre le français et l'anglais, mais... des fois, les noms sont complètement différents du français à l'anglais, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, allez, je vais me battre un peu, comme ça je peux level up, et je vais pas me faire détruire par Bianca. Cependant, m'a fait deux fois la même attaque pour aucune raison. Alright! C'est puissant! Et je suis paralysé, évidemment. Oh my god! Come on!
Yes! Crash Pitu! Aïsou! Oh yeah! Alright! Mais lui, là, ça me tente de l'attraper! Mais il me semble qu'il est super méga ultra fort, hein? Attendez! Ouais, il est comme 64 là! 67, 68! Et puis, vous savez quoi? Avant d'entrer en combat, je crois que je vais donner des potions à mes potos. Hyper potions, voilà. J'en ai beaucoup. C'est un petit peu trop. Mais bon, c'est correct. It's fine! It's unbelievable! It's amazing, comme le dirait Lavande. Oh, je peux faire du shopping, bro? Tiens, je t'attendais! Évidemment, tu peux faire des achats au bivouac, mais je me suis dit que ce serait plus pratique pour toi d'avoir un marchand plus proche. Et je compte bien être au premier loge pour voir le monde des légendes se dévoiler sous mes yeux. Tu peux être sûr que je me rapprocherai autant que possible quand le combat commencera. Ne t'en fais pas pour moi, je suis parfaitement capable de me défendre. Oh? Et puis, connaissant ta force et celle de tes Pokémon, tu auras certainement réglé la situation avant même que je puisse être en danger. Yo, j'espère que tu vas pas venir capturer le Pokémon devant ma face. Évidemment, tu peux faire des achats au bivouac, mais je me suis dit que... Ah, ok, voilà. C'est cher tes affaires, bro. Est-ce que j'achète... Je vais acheter ça juste au cas où. Ouais, je peux juste en acheter 3 parce que j'avais seulement 2200$ avec moi. Allez, on y va. Et là, je viens de voir quelque chose. Attendez une seconde. J'ai des super potions avec moi. Oh, j'en avais. J'ai utilisé une super potion pour rien. Il me semblait que j'avais des super potions parce que j'en avais confectionné. Ouais, c'est ça. J'en avais confectionné parce que je suis comme... Yo, utiliser des super potions à longueur de journée, ça sert à rien. Alors, j'en avais confectionné, je m'en rappelle. Oh, maudit. I'm here, guys! J'ai longtemps pensé que pour protéger Ressuscité, je devais éliminer tous les gêneurs, que ce soit toi ou le Pokémon du temple. Oh. Wow, ok. Mais tu m'as montré que je faisais erreur. Ceci étant dit, et tu plais pour le combat? Pas encore. Alors, ne t'en fais pas, Poké est à tes côtés. Si un Pokémon aussi puissant a accepté de t'épauler, ce n'est certainement pas pour rien. C'est juste que je vais choisir Poké en premier. Allez, là on peut y aller. Ok, blablabla. Il me dit la même chose à longueur de journée. Oui! Voilà, ce lien est venu t'accueillir. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une expression qu'on utilise au clan Perle. Ça veut dire que si on a un devoir à accomplir, il y a toujours un endroit d'où on peut briller. Du coup, c'est un peu une façon de dire « T'inquiète pas, finalement le clan Perle commence à me plaire. » Sache que nous sommes derrière toi, même si je pense que tu n'auras pas besoin de notre aide. Protège le temps et l'espace de tous les habitants de Hisui et des Pokémon, Polo. T'sais, t'as des Pokémon super puissants. Tu peux te battre à mes côtés. Comme, ça veut dire que si je forme mon coup, vous allez partir à courir et puis vous allez laisser le monde comme... Pouh! Exploser ou... je sais pas qu'est-ce qui va se passer si on fait un là, mais bon. Je sais juste que c'est la fin du monde. Dialga est beaucoup plus imposant que Palkia, je peux vous le dire. J'ai oublié les bases du jeu. Il faut affaiblir le Pokémon avant de lancer une balle sur lui. Voyons donc. Ouais, il est beaucoup plus imposant, c'est insane. Non mais, question à vous poser. J'ai plus ma baballe là? Je l'ai perdu ou... J'ai pris tout ce temps pour... Oh, what the hell? Oh my, wow! Est-ce que vous avez ça? Est-ce que c'est moi qui s'est emporté ou c'est le jeu qui a lagué? Oh non. Oh, what? Je dois vraiment me battre contre un Pokémon légendaire de cette façon? Are you serious, bro? Oh, Jesus Lord, man!
Et les autres sont en train de me regarder. Adamantin et puis Nachara sont comme ah, les polos, tu peux le faire. Ils sont en train de faire leur tir les deux, mais. Voyons. Oh my god! Est-ce que tu vas le faire encore? Ok, tu ne fais plus. Oh, quoi? Tu peux envoyer Pocket? Non, je peux pas l'envoyer. Oh, Jesus Lord! Je suis tellement concentré, je veux pas me faire détruire. Vous avez entendu le tit. Guys, ce combat là, je peux vous dire quelque chose? C'est tout simplement légendaire. Alright les amis, ce bonhomme il est presque dead. Est-ce que je peux le faire sans vous? Non! Oh my god, je suis presque dead en fait, con. Oh my Jesus Lord, ce bonhomme là, il abuse avec ses attaques de fou, man. Ah! Est-ce que je peux le faire? Attendez. Est-ce que tu vas le faire encore? Ok, tu le fais pas encore. Yo, je vais envoyer Parker, mais pas contre lui, man. J'ai réussi mon coup sans envoyer un Pokémon le massacrer. J'ai jamais vu qu'il était faible ou quoi que ce soit. Ah, j'ai encore la balle avec moi. Bon ben on peut aller à la plage se reposer maintenant? Yo! Est-ce que c'est normal que je pouvais pas envoyer un seul Pokémon pour me battre contre lui? Je l'ai jamais vu être faible, pour vrai. Il y a jamais eu de notice qui me dit « Envoyez un Pokémon pour l'affaiblir! » Alors, tu as réussi! Regarde autour de toi, man, come on! Tu l'as attrapé! Tu viens de regarder ça, mon frère! Eh oui, capturé ici, il est bien dans l'Origin Ball. Bravo Polo, tu as été remarquable comme d'habitude. Enfin. Tu es toujours aussi drôle, Polo. Ah, lui il est jaloux. Mais, vous pleurez Cormier, je m'attendais pas à voir ça un jour. Oh, je suis si heureuse d'avoir pu voir ça. Mais ça va pas la tête! Je voulais m'assurer de ne pas rêver. Écoutez-moi bien! Nous avons fait face à des difficultés sans précédent que nous avons réussi à surmonter en unissant nos forces. Je pense qu'il est important de célébrer cet heureux dénouement en organisant une grande fête! Réunissons les clans et les habitants du village et célébrons tous ensemble! Faire une fête avec les clans diamants? Nos deux clans ensemble? Après tout, ça s'appelait à rien qu'on se chamaille pour savoir qui venait le vrai grand sinon, vu qu'on sait maintenant qu'il y en avait deux. C'est du passé, tout ça. Ça va surprendre nos ancêtres qui se faisaient la guerre, mais c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire pour protéger cet espace qu'on partage, nous. Nous allons faire ensemble ce nouveau départ pour tous les habitants de History! Nice! On va aller manger des patates à longueur de journée. Le Teen Ninja, il y a beaucoup de job à faire, là, vous allez voir. Hein? C'est pas fini? What? Vous avez entendu ça? Les gens, le Pokémon Arceus! Ok, le jeu est terminé! Avoir su que ça allait se terminer maintenant, j'allais faire cette partie dans la vidéo précédente. Oh, ça c'est le début! Je me rappelle! Oh, tellement cute! Mais y a-t-il un moyen de skipper tout ça? Non, il n'y a pas de moyen de skipper tout ça malheureusement. Mais c'est cool, on me montre qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du jeu. Non mais, à la fin, vous avez vu, je me suis retourné. Et ensuite j'ai souri. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Ça c'était trop bizarre, man. Ah, le petit Eliane.
Ah, oh, le premier Pokémon que j'ai apaisé. Team Rocket 0.1. ok, elle, ouais, je me rappelle. Adamantine. Oh, toi, tu danses tellement gracieusement, oui. Toi, je suis jamais allé te voir pour me faire une coupe de cheveux. La première fois que j'ai appris de la flûte, c'est avec elle, non? Ah, non, non, non. Oh, le mec qui bégaye à l'envers de journée. Ah, j'ai les Pokémon de poisson! T'es mon cute Arcanin! Lui, il est drôle. Toi aussi, t'étais drôle au début. Mais maintenant que j'ai un Pokémon qui vole, j'ai plus besoin de toi. Oh, toi! Oui, oh, c'était qui son ancêtre encore? Oh, je l'avais vu dans la vidéo! C'était qui encore? Ben en fait, non, c'est lui l'ancêtre. C'est pas... désolé, j'ai mal dit ça. Mais bon, c'est un bonhomme que je reconnaissais, mais j'ai oublié c'est qui. Mais bon, whatever. Oh, c'est trois Pokémon. Vous vous rappelez, la première fois que je les ai vus, j'ai dit, hey, c'est qui ça? Est-ce que ce sont des nouveaux Pokémon? Mais en fait, j'ai fait quelques recherches et ce sont des Pokémon légendaires de la 4e génération. Comme je vous ai dit une tonne de fois, je connais bien les trois premières générations. À partir de la 4e, je connais quasiment rien. Alors, mais je reconnaissais leur nom en anglais. C'est Uxie, Mesprit et Azelf. Ouais, si j'avais vu ces noms au lieu des noms français, j'aurais su que c'était des Pokémon légendaires. Comme je vous ai dit, moi je connais les noms des Pokémon en anglais, pas en français, alors ça m'a tellement mélangé. Mais bon, on est bientôt rendu à la fin, je pense. Je suis quasiment sûr à 100% qu'il y a de quoi à faire parce qu'il y a une tonne de Pokémon légendaires à aller attraper, comme les trois Pokémon qu'on a vus à la fin, ainsi que, il y a sûrement d'autres Pokémon légendaires à aller attraper. C'est toujours comme ça dans les jeux de Pokémon. Je suis en train d'écouter la musique. Ah! Quand on voit Special Thanks, ça veut dire qu'on est rendu à la fin de ceci là, des crédits. Ah, ok, c'est pas la fin? Est-ce que vous êtes sérieux? Après, on va dire In Memory of quelqu'un, peut-être? Oh, c'est Special Thanks! Voilà. Ok, y a pas de In Memory of quelqu'un. D'habitude, on met ce genre de truc lorsque y a quelqu'un qui est parti ou. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois souvent dans les jeux vidéo. Oh! Developed by Game Freaks! Ok, voilà! On est rendu à la fin là. Là, on est rendu à la fin. Je voulais pas skipper ça. Je voulais vous montrer tout ça parce que peut-être y a quelque chose de secret là, vous savez, alors. Ah, ok. Il y a ceci. Merci d'avoir pris part à cette aventure. Oh, le Pikachu! Oh, vous savez, il est tellement cute. Et les trois Kenotaurs que j'ai pas attrapés. J'avais vu trois Kenotaurs, ils se promènent encore dans le village. Oh, ok, non, c'était magique, nice. Oh, attendez, le Smashius réagit. What the hell? Part à la rencontre de tous les Pokémon. Ah, il veut que je les attrape tous et que je fasse de quoi avec. Mais bon, en tout cas, C'est quoi ça? Oh, Dialga, il est avec moi! Oh, parce que on m'a pas dit c'est à qui appartient Dialga. Préparez-vous bien et rendez-vous au temple de Sinnoh. Pourquoi? What the hell? Quoi? Attends, il y a d'autres choses à faire? Ok, attendez une seconde, vous savez quoi? Je vais ranger tout ce que je n'ai pas besoin dans mon coffre. Il y a un truc que j'ai rangé que je voulais pas ranger. My bad, man. Je vais aller récupérer ça dans quelques secondes. Alors, c'était où? Ah, ceci, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, ça comme ça, j'ai réorganisé mon sac. Perfecto, amigo. Ah, attendez, une seconde, il y a un truc que j'ai pas besoin. Guérison, je suis sûr que je vais jamais utiliser ça quand j'ai quasiment fini le jeu, voyez. C'est ça, ok, alright. André, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bonjour Polo. On dirait que le jeu est pas terminé? Alors ça y est, la faille spatio-temporelle a disparu. Dans ce cas, nous pourrions reprendre tranquillement le travail sur le Pokédex. Oh. Allons discuter de la suite des opérations dans le bureau de Selena. Ah. Rejoignons-nous là-bas, d'accord? Ah. D'accord. Ah, je croyais que j'allais hocher de la tête.
Bon, ok, attendez une seconde. Il n'y a pas d'autre secondaire ici à aller chercher. Et ici, il y a une tonne de quêtes secondaires que je peux compléter. Mais ça va quoi, je vais pas faire ça tout de suite. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, là. Ouais, voilà, let's... Attends! Toi, là? Un petit bonbon? Tu veux acheter des bonbons? Le centre de bonbons vend des bonbons expérience qui vous permettent de faire gagner des points d'expérience à vos Pokémon. Ah, j'en ai déjà une tonne que j'utilise pas, mais... Waouh! Ok, non, c'est nice. Maintenant, on peut utiliser nos Pokédollars pour acheter ces trucs-là. Et oh, oh, attends, t'inquiète pour moi! Avant de te vendre des friandises, j'ai quelque chose à te raconter. J'ai mis au point une nouvelle douceur à la trip secret, mais elle ne m'a valu que des critiques. Quelle misère! Et que de l'âme versée, j'ai été obligé de l'abandonner dans ma réserve. Mais, quitte à ne pas en vendre, autant au moins enseigner la recette à quelqu'un, non? Alors si tu aimes bien confectionner des choses, laisse-moi te transmettre ma méthode. J'ai déjà des trucs sucrés, donc j'aurais juste besoin d'un rutabaga, d'un champi tout mou et d'un bain boulon. Oh, je les ai, ça! Est-ce que je dois les avoir avec moi? Oh my god, rutabaga, champi tout mou, bain boulon. Ok, laissez-moi juste aller chercher ces trucs-là vite fait, bien fait dans mon coffre. Et ensuite, je vais compléter cette quête, c'est bon? Donc, j'ai déjà oublié c'est quoi. Je vais me rappeler des images, attendez. Bain boulon, c'est quelque part ici sûrement. Non, c'est de l'autre côté. Ah, je le vois. What? Attends, voilà. Bain boulon, fois 1. Ensuite, c'était quoi? Rutabagas de je sais pas quoi. Je sais que je l'ai, le truc de rutabagas. Oh, champignon, oui. On va déplacer un ici. Rutabagas. Ah, voilà, perfecto. On va aller comme ça. Voilà, j'ai pas de cash avec moi. Pour ceux qui se le demandent, j'ai 200 Pokédollars. Ce qui fait que je peux rien acheter, malheureusement. Bon, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez? Ce bonhomme-là avec son stand de bonbons, il était pas là au début, man, voyons donc. Hein, quoi? Ok, voilà. Ça y est, tiens, blablabla. Est-ce que tu veux que je t'enseigne la méthode pour confectionner un Onka de con? Attends, un Onka contraire? What the hell? C'est quoi un Onka contraire? Vous donnez un rutabagas, champignon mou et ben boulon. Dans ce cas, c'est parti! Vous recevez un Onka contraire. Ce curieux Onka permet d'inverser temporairement la puissance offensive et la puissance défensive d'un Pokémon. Oh! What? Et voilà, tu connais le secret de ma recette. Tu apprends vite, je reconnais bien l'efficacité du corps des chercheurs. Il a sûrement plein de trucs à m'apprendre. L'Onka contraire est assez mystérieux. J'ai entendu dire qu'il a pour effet d'inverser la puissance offensive et la puissance défensive. Je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais toi qui dois affronter de nombreux Pokémon, je suis sûr que tu sauras comment t'en servir. J'ai comme une petite idée là, mais waouh, ça c'est quelque chose. Anyway, on s'en va d'ici. Et là, y a pas d'autres gens avec d'autres quêtes, hein. On a regardé ça tout à l'heure, mais lui, il apparaît avec une quête de nulle part. Ça, c'est tellement bizarre. On va voir ce que le bonhomme va nous dire. Oh, il y a des quêtes secondaires là. Oh, ouais, yo, tu sais là, tes descendants là, plutôt ton descendant dans le futur là. Avant toute chose, t'es-tu bien amusé durant la fête? Bien sûr, oui. Oui. Je vois. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde. C'est la première fois que je te voyais faire la fête. Oh, oups. C'est la première fois que je te voyais faire la fête. Vous confondez certainement avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, comment avance le Pokédex, professeur? Eh bien, je dirais que nous avons fait des avancées significatives. Néanmoins, il serait nécessaire de continuer à accomplir des tâches Pokédex. Bien entendu, le problème est qu'il y a des Pokémon dont l'existence n'est mentionnée que dans les légendes de Hisui. Oh! Légendaire! Pokémon légendaire! Oui, mais nous connaissons encore bien peu l'histoire et les légendes de Hisui. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Pour ce qui est de l'histoire et des légendes de Hisui, vous pouvez compter sur moi. Oh! Pendant mon travail, enfin je veux dire, lorsque j'avais un peu de temps libre, j'ai parcouru les nombreuses ruines de Hisui afin de les étudier. Et je pense avoir des informations intéressantes au sujet d'un Pokémon légendaire. Yeah! Oh, voilà qui est très prometteur. Thank you! Voici ta mission, Apollo. Apprends tout ce qu'il y a à savoir de Percupio et prête une main forte si nécessaire. En ce qui nous concerne, nous allons continuer à nous informer sur les Pokémon à notre façon. C'est compris. Je vais m'installer au bivouac du plateau. Retrouve-moi là-bas, Apollo. Oh, guys, on peut continuer le jeu pour aller chercher des Pokémon légendaires. J'aurais d'ailleurs une petite faveur à te demander, mais je ne t'en dirai plus sur place. Yeah! Let's go! On a des Pokémon légendaires à aller attraper.
Des missions secondaires sont affichées sur le tableau, exprimer sa gratitude. Midi du clan Diamant m'a expliqué qu'elle avait été sauvée par un Pokémon mystérieux il y a bien longtemps. Va la voir pour qu'elle t'en dise davantage. Qui sait, tu pourras peut-être l'aider. Oh, un autre Pokémon légendaire! Exprimer sa gratitude! Des missions secondaires sont affichées. Un sombre cauchemar. On a reçu un rapport indiquant qu'un Pokémon étrange avait été aperçu. Va voir Vergure au laboratoire qui capture le Pokémon dont il est question. Un autre Pokémon légendaire! Oh my god! Oh, ça, c'est vrai, j'avais une quête avec un Pokémon légendaire auparavant. Je me rappelle plus c'est quoi, mais bon. C'est donc toi qui as accepté ma mission fort bien! Il s'agit d'une mission de la plus haute importance. Alors écoute-moi bien! Il existe une vieille légende à Hissé, contant, l'histoire d'un sombre cauchemar qui entrait ceux qui marchent la nuit sur des chemins isolés. Terre à terre que je suis, je ne croyais pas un traître mot jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Oui, je l'ai vu! J'ai vu le terrifiant Pokémon noir dont parle cette terrible légende. On regarde que sa puissance est telle que les personnes emprisonnées dans les cauchemars qu'il crée ne s'en réveillent jamais. Nous devons agir vite avant qu'il ne fasse de victimes. J'aperçus ce Pokémon noir en escaladant le Mont Couronné près de la falaise escalade. Ok, attendez. Mont Couronné, falaise escalade, plus exactement. Ok, près de la falaise escalade. Je me trouvais bien sur un chemin isolé et c'était de nuit, comme le veut la légende. Fais bien attention à toi. Surtout, je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Ok, donnez-moi une seconde. Laissez-moi voir quelque chose. Cette quête-là, c'était numéro quoi? Pardon, attendez. Ouais, dans les quêtes principales? Oui, yo, on a encore une quête principale, le jeu n'est pas terminé, mais... c'est quoi, un sombre cauchemar? Si je fais ça, est-ce qu'on me dit où aller exactement? Oh, on me dit d'aller ici! Oh my god, guys! Oh, je crois que je vais faire ça en premier parce que je peux aller chercher ce Pokémon direct. Et lui, là, je vais augmenter les places dans ma sacoche, mais... ça coûte trop cher! Je suis pauvre! Est-ce que je peux faire un emprunt à la banque ou quelque chose? Oh, attendez une seconde, ce que je vais faire. Voyage rapide. Pourquoi marcher comme un fou quand je peux faire un voyage rapide comme ça, guys? Tu sors du village, fais attention à toi. Alright! Donc, je vais pas aller faire la mission principale tout de suite. Je vais aller faire ça vite fait, bien fait. C'est bon? Donc, attendez. Ce que je vais faire, c'est... aller ici, c'est bivouac de montagne. D'accord. Donc, let's go! Il faut aller là-bas la nuit aussi. C'est bon? Oh, j'ai tellement hâte de voir c'est qui, man! Ok, c'est bon. Est-ce que j'ai les bons Pokémon? Il me semble que j'ai pas des Hogard dans mon équipe. Attends, Oh! What a boy! Ok, déplacer. Des Hogard, puisque c'est un Pokémon acier dragon. J'ai pas des acier dragon ici, mais je crois que Hydraptor, là, je peux dire bye bye, hein, à lui. Voilà. Donc, une seconde, est-ce que j'ai des Pokémon baron? Ah, ok. Toi, t'es un baron, c'est vrai. Je vais te déplacer dans la section des Pokémon baron. Juste ici. Toi aussi, mon petit Gastly. Et c'est ça qui est ça. Bon, ok, on y va. Dialga est le Pokémon que je vais utiliser ici. Bon, on va se reposer vite fait, bien fait. Ensuite, on va dormir jusqu'à la nuit tombée. Voilà. Je peux aller là-bas directement, en volant. Alors, j'ai pas peur que ce soit le matin lorsque j'arrive à destination. Alright, est-ce que vous êtes prêts? Pokémon Legendary, I'm coming, bro! Attendez. C'est là? Bien sûr, moi je vois pas de Pokémon Légendaire. Est-ce que t'as... Oh, ok. Il y a une cinématique. C'est bon. Darkrai! C'est Darkrai, guys! Je vois une flamme mauve. Oh! Let's do this! Ok, yo, j'ai pas peur de... Attends. Oh my god! Attends, pendant un instant, je croyais que je devais l'apaiser. Niveau 70? Oh là 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 là! Ok, est-ce que j'envoie Dialga? C'est pas une bonne idée, hein? Attends, what? Oh, ben... Attends, non, hein, quoi? What the hell? Attends, t'es là-bas? Mais, attends, je peux pas envoyer de Pokémon! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que si j'envoie Palkia, ça va être correct. Je vais essayer de m'approcher de lui, juste pour voir. Regardez ça. Hein? Oh, mon Dieu! Yo, je peux plus faire d'esquive! Je suis en train de dormir!
Je suis en train de dormir, réveille-toi! Ok, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ne me dis pas qu'il faut que je lance... Oh, attendez, est-ce qu'il faut que je lance une Pokéball pour vrai? Ok, il y a quelque chose qui cloche. C'est quoi? Attends. Peut-être qu'il va pas me voir comme ça. Ok. Je vais tenter de le laisser m'attaquer à longueur de journée. Voir qu'est-ce qui se passe. Les lancements des trucs, je sais que tu veux le faire. C'est ça, peut-être il faut que j'attends qu'il s'épuise. Oh my Jesus! Ok, ce truc c'est la tête chercheuse, fallait le dire! Ok. Wow! Comment, comment? Hey, on dirait que tu perds en puissance, mon frère là! Ok, on dirait qu'il fait ça à longueur de journée, je crois pas que ce soit ça qu'il faut faire! Ok, les amis! Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il faut que j'utilise mon tueur et que je fonce sur lui, selon vous? Non, ben non, ben non. Dès que je m'approche de lui, mon tueur va partir en vacances. Oh! Ok, les potos. Je peux m'enfuir. Et ce bonhomme est encore là. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai littéralement aucune idée. Depuis tout à l'heure, je suis caché comme ça, mais je sais pas quoi faire, les amis. Oh! Attendez une seconde. Le bonhomme... Yo, imaginez que c'est le moment de le faire. Ça? Oh, ok, il fallait pas qu'il me repère, parce que s'il me repère, eh ben, il s'enfuit à longueur de journée. Ok, ok, ok. Mais là, je sais pas quoi utiliser, j'ai pas envie de tuer. Mais il est niveau 70, moi je suis 65 alors. Ça devrait être correct. Hurle le temps, le lanceur frappe si fort qu'il affecte le cours du temps. Ça me tente de voir ça ressemble à quoi, man. Wow! Style rapide. J'ai même pas regardé. Quelles sont les capacités des Dianga? J'aurais pu faire ça. Trou noir. Holy, what the hell? Et en plus, je suis en train de dodo. Ok, Lumino Canon. Ah, ça va le tuer peut-être. Le lanceur concentre son énergie lumineuse et la projette pour essayer de baisser la puissance défensive de la cible. Je veux ne pas le tuer. Ah là 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 là. Attends. Ça faisait 120 de puissance. Alors, c'est 4. Ça quoi? Je crois que je devrais changer de Pokémon. Juste au cas où. Juste pour être sûr à 100% que je ne perds pas mon coup. J'espère qu'il va pas me one shot, hein. Ce que je vais faire, c'est envoyer. Garopa, ouais. S'il me one shot pas, je pourrais utiliser Lance-Flamme, version rapide, comme style rapide. Ça va. Oh non, ça peut le brûler, hein. Oh, si ça le brûle. Oh, j'ai pas pensé à ça. Mais je crois que c'est Tigidou. Pas de coup critique. Brûle pas, brûle pas. Yes! Yes! Ok, c'est bon. Yo, moi je prends pas de chance. Hyper balle. Let's do this, mon petit Dark Ride. Hey, est-ce qu'il y a des Master Balls dans ce jeu? J'ai jamais pensé à ça. Dark Ride, en moi, les amis! Let's do this! C'est merveilleux! Voilà qui va rassurer tout le monde. Désormais, plus personne ne sera victime de ces affreux cauchemars. Eh bien, maintenant que cette histoire est réglée, j'imagine que je peux rentrer chez moi. Sache que je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Au revoir. Oh, t'inquiète, moi j'ai fait ça pour moi-même, hein. Pour ma expérience extra large, waouh! Ça va me donner combien de niveaux? C'est insane. En tout cas, les potos, ce que je vais faire, c'est partir à la maison parce que j'ai plus rien à faire. Mais tout d'abord, je vais prendre le Pokémon avec moi, hein. Et attends, voir mes Pokémon. Mais qui vais-je envoyer à la maison Spectrum? C'est le truc le plus logique à faire. Et puis, il est où mon dude? Ah, il est là. Donc, on va prendre ce bonhomme, envoyer Spectrum à la maison. Et c'est ça qui est ça. Alors, donnez-moi une seconde. C'est vrai, Dianga là. Qu'est-ce qu'il a comme capacité, ce mec-là? Ouragan, pouvoir antique, le lanceur attaque grâce à une force primitive, peut aussi augmenter sa puissance offensive et défensive. Tranche, draco, griffe, rayon gemme. Ah, oh, ça ressemble beaucoup à... Comment il s'appelle? Palkia!
Ouais, mais attendez, Darkrai, lui là, juste une capacité. Ombre portée. Le lanceur étend son ombre pour frapper par derrière avant sa position dans l'ordre d'action. Ah, ok. Hypnose? Pourquoi je l'ai pas? Attends, machination, balle d'ombre, trou noir. Attends, trou noir, c'est pas quelque chose que je vais vraiment utiliser. Psycho, ça je vais utiliser, vibre-obscur lui aussi. Châtiment, ouais. Alors peut-être que je vais prendre hypnose. Ouf, je sais pas, balle d'ombre. Bon, j'ai déjà châtiment. Mais vous savez quoi? On va prendre balle d'ombre comme ça. Et trou noir, en fait, je vais le garder juste pour maîtriser cette attaque. Ouais, on va valider ça comme ça. Tada! Balle d'ombre, voilà. Oh my god, yes! Je suis tellement content! On a 3 Pokémon légendaires! Tu as capturé 11 Pokémon? Pour vrai? Hein? Ce sont des Pokémon que j'ai attrapés depuis longtemps! Oh, peut-être que je les ai attrapés depuis longtemps. 17 000 Pokédollars! Je les ai attrapés depuis longtemps, mais en continuant l'histoire, on a skippé cette partie. Et à la fin, j'ai jamais pu faire mon compte rendu. C'est sûrement quelque chose comme ça qui s'est passé, n'est-ce pas? Ok, ouais, j'ai beaucoup de points, merci. Maintenant, que veux-tu faire maintenant? Retourner au village. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? La quête principale. Parce que, mais je suis content d'avoir fait cette quête secondaire. Il y a une autre quête secondaire qui me permet d'avoir un Pokémon légendaire. Et je le sais. Pourquoi? Parce que c'est la description de la quête secondaire qui me dit que c'est ça à 100% qu'il y a de quoi. C'est le numéro 64, si je me rappelle bien. Ceci, résolver l'énigme de la légende des mers et attraper le Pokémon aperçu par le professeur Lavande. C'est ceci là, la légende des mers. Je sais pas quel Pokémon je peux avoir. Mais bon, on va se concentrer. Pourquoi? Pourquoi ça c'est pas... Comme... Hein? Comme... On dirait que j'ai pas complété cette quête même si elle accrochait, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, allez, on va rejoindre Pelcupio. Alors, pour ce faire, il faut retourner là. Et on va aller... Ici. Bivouac du plateau. Me semble que c'est ce qu'il m'a dit. En tout cas, les loading screens, ça prend quoi? 5 secondes, même pas? Alors, c'est pas si grave que ça si j'ai foiré mon coup. Ah, le voilà, le voilà! Donnez-moi une seconde. Le Darkrai, là. Wow! T'essaies de me faire peur? T'essaies de faire en sorte que je fasse un cauchemar? T'as foiré ton coup, mon frère, je suis ton maître! Polo! Tu as vu ça? Regarde bien! Tu vois ces motifs qui ressemblent à des Pokémon? On dirait de vieux pictogrammes, mais moi, je pense que ce sont des lettres! Et après avoir exploré toutes les ruines, je crois avoir réussi à déchiffrer ces textes! J'ai vu ça à un moment donné! Il raconte l'histoire d'un héros qui, avec l'aide des Pokémon, partit à la recherche des fragments. D'une divinité toute puissante. Une divinité? Des fragments? Une divinité? Oui, ces fragments appartiennent à un être qui a créé l'univers. Son nom est... Arceus. Oh! Les amis! Vous êtes en train de me dire que je peux capturer Arceus maintenant? Tu as déjà entendu son nom, n'est-ce pas? Oui, je crois. Non, je ne crois pas, non. Je ne crois pas, non. On va faire... notre smart. Vraiment? Quand nous parcourions les lacs, j'ai pourtant remarqué ton petit appareil là. Ah! Smarcius. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, le Smarcius. Et en ce qui concerne les fragments, il s'agit de plaques. Oh, tu sais ces plaques que tu as récupérées en apaisant les monarques notamment? Il y a des inscriptions gravées au dos de chacune d'entre elles. Je te conseille de les lire attentivement. Vous lisez les inscriptions gravées sur l'une des plaques. Seul l'être originel respirait avant que l'univers ne soit. L'être original en question désigne en réalité Arceus. Polo, nous devons absolument réunir toutes les plaques et détruire l'univers. J'ai d'ailleurs une petite idée d'où commencer les recherches. Rejoins-moi au bocage agité. Arceus, let's go! On va aller le capturer! Yo, ce jeu s'appelle Pokémon Legends Arceus. J'aurais dû m'en douter. Voyons donc. Alors, il faut que j'aille là-bas. Pas de problème. Tout ce que j'ai à faire, c'est voler comme un fou. De cette façon. Ben oui! Écoutez! On a terminé le jeu, comme, on va dire, les trucs principaux. Mais ceci est une quête principale aussi. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Mais le nom du jeu, c'est Legends... Oh! Il y a un paro ici! Attends, Legends Pokémon... Non, Legends Pokémon Arceus. Pokémon Legends Arceus. Ah, niveau 42. Darkrai, amuse-toi. Oh, mais non, je veux pas le tuer, c'est vrai. C'est Arfrousse. Moi, je le connais sous le nom de Stantler. Alors... Non, ça marche pas, ça. Attends. Vibre-obscur. Voilà. Style rapide, je veux pas le tuer.
J'aurais dû utiliser... What? Tu peux faire tourner à toi, mon frère? Wow! Ok, juste pour toi, on va utiliser une super balle. Parce que je sens que si je fais une autre attaque, il est dead en mosito. This is not good. Yeah! J'aurais même pu utiliser une Pokéball là, mais bon. Thank you very much, je l'ai attrapé, Pepito. Si je vois d'autres barons, vous pouvez être sûr que je vais les attraper. Oh! Kaldos! What the hell? Attends, qu'est-ce que je fais? Oh my god! J'ai essayé d'utiliser une Pokéball pendant que je suis en l'air. Gardez ce qu'il va! Est-ce que vous êtes sérieux? Il y a une flamme là-bas, je le sais très bien là, mais bon. Ok, vous savez quoi? On continue. Oh! Il y a une autre flamme là. Je vais chercher ça hors vidéo, c'est correct. Tranquille, relax. On a d'autres choses à faire, les amis. On a Arceus à les attraper. On n'a pas le temps de... Oh! Il y a quelque chose qui brille là! Attends. Vas-y, Darkrai, amuse-toi. Qu'est-ce qu'il va faire comme attaque? Ah, évidemment, man. J'ai pogné beaucoup de fragments. Ok, puisque ça, c'est juste à côté, on va le prendre. C'est bon? Il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. Moi, j'adore ce jeu. C'est vrai que graphiquement, ça aurait pu être mieux. Je l'ai déjà dit. Mais le gameplay, là, est... Let's go! Je me demande si plus tard, il y aura des légendes Pokémon... on va dire... Mewtwo. Légendes Pokémon Lugia. Bien, Polo, d'après mes recherches. Oh, what? Oh non, tu m'as fait peur, bro! Oh non, Apuren! Et c'est une baronne, battant contre elle, je t'en supplie! Oh my god, tu m'as fait peur, c'était quoi ce jump scare, man? Ok. Are you ready? Oh, t'es seulement niveau 60. T'es rien! Avant, tu serais quelque chose, là, mais maintenant, tu n'es rien, mon ami, bro! Donc, je crois que balle d'ombre. X2, ça devrait être Tigidou, hein? Ouais. Donc, Gray fait semblant de ne rien remarquer? Qu'est-ce que t'es en train de dire là? Attends! C'est quoi cette affaire de Dark Gray fait semblant de ne rien remarquer? Hein? Ok, bon, écoutez. Je crois que c'est Tigidou, si je t'envoie. Même si je fais lance-flamme, tu ne devrais pas mourir, hein? Ouais, let's go. Ah, j'aurais dû utiliser style rapide deux fois pour lance-flamme. Wow! Ok, toi t'as des attaques deux fois. Moi, je fais tout pour te capturer, ne t'en fais pas. I'm gonna get you. On va envoyer Machopper, voilà, parce qu'il y a des attaques qui ne sont pas très efficaces contre cet Apuren. Apuren, pardon. Alors... Non. Mag Punch. Piston Point, ça devrait être Tigidou, hein? Ouais, piste au point. Ok, là je vais utiliser style rapide, style puissant, pardon. En espérant que je ne passe pas de coups critiques. Ces vies ne sont pas encore rouges. Yo, ce bonhomme là, il y a des attaques qui massacrent tous mes Pokémon avec des coups super efficaces, c'est insane. Ok, Pikachu, qui s'est transformé en Raichu. Vas-y mon frère. Ok, et là ce que je vais faire... Pokéball? Non. Super balle pour toi. Je vais pas utiliser mes hyper balles. Vous êtes sérieux? Non, ça va coûter cher au magasin. Moi, je les économise. Ah. Ow, tu m'as fait mal. Yo, t'as pas honte, Apuren? Come on. Je vais l'avoir. Je veux pas utiliser des hyper balles. Mais si je dois le faire, je vais le faire. On a pogné un autre baron, les amis! Oh, ça fait mal au cœur, les autres ont manqué beaucoup d'expérience. Vous obtenez la plaque rock! Oh, c'est toi qui me donnes cette plaque, pour vrai? Donc, c'est correct, blablabla, par-ci par-là. Pourquoi ce Pokémon la possédait-il? L'a-t-il trouvé par hasard? En tout cas, ça tombe bien pour nous. C'est ce que je me demandais. C'est la seule plaque sur laquelle j'avais des informations. Et comme il ne s'est rien passé en l'obtenant, j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. Du coup, je ne vois plus qu'une seule personne à qui nous pourrions nous adresser. Pensia! La vieille dame. Exactement, Pensia. Et puis, tu lui dois bien ses remerciements pour t'avoir aidé à récupérer la chaîne rouge. Allez, en route, vers le hameau oublié!
Ok, est-ce que je peux faire une téléportation? Pour aller là-bas, ce que je dois faire, c'est aller au village et ensuite aller dans l'endroit où je dois aller. Donc, oui, voilà. Apirène Baron, comment vas-tu? Si je vois ce Pokémon dans la vraie vie, là, eh bien, vous pouvez être sûr que je vais m'enfuir en courant. Ouais. Non, même en sprintant. Oh, même avec une voiture. Yo, je vais prendre un train et je vais écraser cette abeille. Mais bon, on va faire ça comme ça. 110 points. Que veux-tu faire maintenant? Retourner au village. Ouais, parce que on a beaucoup de choses à faire. Oh my god, ce jeu c'est tellement nice. Je croyais vraiment qu'on avait terminé le jeu, mais on n'a pas terminé. Ressuscité. Ensuite, on va là. Et là, ce qu'on doit faire, c'est aller ici. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas se promener comme lorsqu'on est à l'extérieur et aller se promener dans un autre... comment on appelle ça? Dans un autre terrain à l'extérieur. Alors, des fois, j'ai des blancs de mémoire. Qu'est-ce qui se passe, man? Quand on doit retourner au village pour se promener quelque part d'autre. Retourner au village pour se promener quelque part d'autre. Oh, c'est toi! Ce que tu as accompli est extraordinaire. Je constate que la chaîne rouge t'a été bien utile. Et tu as ainsi pu remplir ta mission. Mais que faites-vous ici? Avez-vous à nouveau besoin de moi? Arceus. C'était il y a fort longtemps, 1000, voire 2000 ans de cela. Arceus était un Pokémon vénéré par l'ancien peuple de Sinnoh, mes ancêtres. Il était considéré comme celui qui donna naissance à la région de Hisui. Les plaques seraient des parties de lui qu'il confia aux ancêtres de Hachekateur, de Servilin et des autres monarques. Je pensais que vous pourriez peut-être nous en apprendre davantage sur Arceus et les plaques. Je n'ai malheureusement pas plus d'informations. Le savoir sur Arceus est perdu avec le temps. Sinnoh, tu penses bien que les clans Diamant et Perle n'auraient pas confondu Dialga et Palkia avec Arceus. Pourtant, cela pourrait nous aider à comprendre la venue de Polar Hisui. Je comprends maintenant. Dans ce cas, je peux peut-être vous aider. Hisui abrite encore bien d'autres Pokémon extraordinaires. Je ne sais s'ils ont un lien avec Arceus, mais peut-être vous permettrait-il de progresser dans votre quête. C'est pas des Pokémon légendaires, là. Bien, tu peux m'interroger, je te dirai ce que je sais. Les trois lacs, le volcan, le croissant de lune, le colosse du temple, le commencement. What? Ok, les trois lacs, là, c'est les trois Pokémon que j'ai déjà observés auparavant. Tu connais déjà les Pokémon des lacs. Ce sont eux qui t'ont permis de récupérer la chaîne rouge. Tu les remercieras, mais surtout, tu leur montreras la force que tu as acquise en les capturant. Oh, wow! Oh, j'aurais dû mieux choisir mes affaires, je pense. Bien, tu peux m'interroger, je te dirai ce que j'ai. Oh, attends, est-ce que je peux avoir une autre quête principale? Je suppose que tu as compris que le volcan en question est celui de l'île Crash Feu. Oh! Ok, je peux prendre toutes ces quêtes one shot. Bien, ok, voilà. Le croissant de lune. La lune, une arène, je suppose que tu comprends. Commence par te rendre au contrefort couronné. Oh! Ok, je peux prendre toutes ces quêtes. Le secret du temple de Primapic, il te faudra ouvrir la porte scellée. Oh my god, les amis! Est-ce que vous êtes sérieux? Le commencement serait... Attends, serait-ce le tien? Où as-tu fait tes premiers pas dans la région? Wow! Bien, tu peux m'interroger? C'est bon, merci! Tu m'as donné toutes les infos que je veux! Es-tu bien satisfait? Mais oui! Maintenant, à toi de nous prouver que tu es à la hauteur. Depuis l'ouverture de la faille spatio-temporelle, des Pokémon qui ne se montraient jamais sont soudainement apparus dans notre monde. Prends garde et courage à toi, tu en auras besoin pour compléter ce que tu nommes Pokédex. Merci, merci. J'étais sûr que l'on pourrait compter sur vous pour obtenir des informations utiles, Pansia. Sur ce, partons à la recherche de ces plaques. Vous savez, Arceus, il y a deux prononciations acceptées. Arceus ou Arceus. À ce qui est vrai, Arceus, c'était la première prononciation que tout le monde utilisait. Mais Arceus, ça ressemble trop à un mot vulgaire. Alors les gens commencent à dire Arceus. Polo, c'est bien ce que je pensais. La clé vers Arceus, ce sont des Pokémon. Grâce au message sur les plaques, on trouvera peut-être un moyen de rencontrer Arceus. D'ailleurs, j'ai ma petite idée sur la question. Je vais donc continuer de mon côté. Toi, rends-toi dans chaque lieu mentionné par Pansia. Quand je pense qu'Arceus a créé tout Hisui, je me demande à quoi il peut bien ressembler. Oh, j'ai tellement hâte de le capturer, man, les amis! Oh, oh, oh! C'est insane, ce jeu! Moi qui croyais vraiment que j'avais terminé le tout en attrapant Dialga. Pas du tout, man, voyons donc! Ok, c'est bon. Donc, au moins, j'ai des Pokémon qui sont puissants, qui pourront me carry! Vous savez, les trois Pokémon légendaires que j'ai à ma possession en ce moment. Qu'est-ce qui se passe?
pension m'a dit que tu recherchais des plaques avec Percupio de la compagnie Ginkgo. Dans ce cas, rejoins-moi à la plage, premier pas. Oh, oh! C'est pas là-bas que je dois aller pour faire de quoi, comme capturer un Pokémon légendaire ou quelque chose? Oh my god, attendez. Ça donne combien d'expérience? J'ai envie de le savoir. Ça me donne de l'utiliser. Mais je suis un gars qui n'aime pas utiliser ce genre d'item. Non. Moi, là, j'irai au niveau 100 avec tous les Pokémon sans utiliser ces trucs-là. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait quelque chose que je voulais prendre? Peut-être que je devrais prendre ces trucs-là maintenant, hein? Face avec extra et tout. Non, je crois que je suis correct. Je devrais peut-être prendre toutes les balles que je peux, hein? Mass Ball. Non, ça sert à rien plus une balle. Je crois pas qu'il y a un Pokémon légendaire de type oiseau, là. Alors, ok, c'est correct. Et là, est-ce qu'il y a d'autres quêtes secondaires ici? Il y a rien à faire. Faut que j'aille là. Mais vous savez quoi? On va prendre une petite pause. Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, nous avons terminé le jeu. Mais vous savez quoi? On va continuer pour attraper tous les Pokémon légendaires. Parce que ce sont des quêtes principales à compléter. Alors, pour moi, le jeu n'est pas terminé. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurer l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Plapla, thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye! Bye.